Je vous ai dit que ce travail que nous sommes en train de faire, c'est en collaboration avec l'association Ozometo, qui regroupe tous les tradis thérapeutes de la région de l'Ouest. Ici présent, Monsieur le Président, malgré votre santé, vous avez tenu à être sur place pour observer, contrôler vous-même le premier germoir dans Bamboutos, ici. Quelles sont vos impressions, Monsieur le Président? Vous pensez faire quoi de ça? Non, mais déjà, c'est une très bonne question. Je remercie beaucoup la vivacité de Bionature, parce que nous n'étions Bionature, on n'aurait pas vraiment engagé cette initiative aujourd'hui comme prévu. Et déjà, j'exhorte les garants de prendre tout en compte pour que d'ici les 2 semaines, que la distribution soit effective. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas encore à ce qu'on appelle le COVID. Vous allez voir que partout, on doit marcher avec le COVID. Et Bionature est déjà un COVIDeur. Donc, vous comprenez donc que nous sommes des hommes qui avons été toujours engagés dans le volet social de tout ce qui concerne pandémie ou épidémie. Donc, je vous remercie à ce sujet-là. Monsieur le Président, je crois que dans quelques jours, Bionature va acheminer son travail, il va empoqueter ses plans et nous vous recommandons d'exhorter les tradis praticiens de les réunir tous dans Bamboutos, que de cet événement, que ce ne soit pas seulement un événement départemental, que ce soit un événement grandiose et régional. Monsieur le Président, je vous remercie de la confiance que vous avez apportée à notre égard. Oui, très bien. C'est moi qui vous remercie. Et le mot de fin que je voudrais dire, c'est que les tradipatients ne doivent pas penser que tout est à vendre. Il faut à un certain moment reconnaître le rôle de chacun dans la communauté. Si on est tradipatient, c'est parce qu'on a quelque chose que Dieu nous a donné qu'il faut apporter à son peuple. Donc, ça m'amène à comprendre que nous sommes solidaires, que tous les tradipatients s'impliquent, parce qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir quelque chose pour être impliqué dans un projet. Rien que la présence nous fait comprendre qu'on est impliqué. Donc, c'est vraiment, c'est très important. Merci.